Bonjour à tous. Alors je vais faire un gabarit pour mettre en place les tourillons pour rassembler deux planches de bois, deux morceaux de bois, enfin comme on veut. Voilà. Il vous faudra donc, moi j'ai pris cette mesure, c'est-à-dire 5 par 8,5 sur 1 d'épaisseur. Deux morceaux comme ça. Deux morceaux de rond de fer de 10 de diamètre. Et là, il faut couper les trois morceaux en fonction de ce que vous aurez coupé au départ. Alors, comme ça. Ça. Et comme ça. Voilà, tout est à coller, bien entendu, et pris en sandwich avec ça. Voilà, une fois pris en sandwich, bien comme il faut, bien collé, bien ajusté, voilà ce que ça vous donne. On est d'accord là-dessus? Voilà. Bon, là, c'est pas ajusté, c'est pas collé, donc ça bouge un peu. Mais voilà ce qu'il faut, ok? Ensuite, un morceau de plexiglas. À dimension voulue, bien entendu, et on va préparer tout ça. Allez, je colle. Alors c'est collé. Les deux tubes, et là au milieu pour mettre les tubes. Donc je vais maintenant coller à l'araldite la totalité et le dessus, bien entendu. Toujours pareil, 50%. Et je mets l'autre plaque par-dessus en l'ajustant bien comme il faut, bien ajusté, bien au carré. Je remets les pinces. Et là, il faut facilement, enfin, une bonne nuit de séchage. Voilà, c'est droit,
on se retrouve demain. Alors ça y est, c'est collé. Voilà. Il n'y a plus qu'à passer un petit peu à la machine. Et voilà, c'est à 90 degrés. Alors, il reste plus qu'à couper un petit peu les bords là qui dépassent les deux côtés là, juste un peu pour égaliser, et puis on va passer au reste. Allez, alors là j'ai mis une cale ici. Parce qu'autrement mes doigts ils seraient un peu trop près de la lame. Allez, allons-y. Parfait. Parfait, 90 degrés. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire l'autre côté, comme je dis. Allez. J'aurais dû régler hors caméra. Voilà. Normalement. Hein. Ça tient. Allez, on y va. Voilà. Ok. On est bon. Dans tous les sens. Bon, et bien on passe à la suite. Alors, j'ai mis en place le plexiglas là. Vraiment en plein milieu. J'ai tracé un trait sur le bois. Un trait sur le plexiglas et je l'ai mis en place. Bon, je n'ai malheureusement pas trouvé plus épais que ça, dommage. Enfin, dans mes décombres là. Ouais. Et puis, en plus, il est un peu rayé. Il a été utilisé peut-être une autre fois, je me souviens pas. Bon, bref. Bon, alors on va tenter. Voilà. Tenter,
de mettre les tourillons en plein milieu. Alors on se positionne avec le plexiglas là, donc sur le trait que je viens de faire. Voilà, bien positionné, le serre joint. Voilà, voilà la position. Et il n'y a plus qu'à percer. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai peut-être pas été assez profond ici. Je vais mettre un petit coup, vite fait. Voilà. Bon, maintenant l'autre. Pareil. On se positionne sur le trait avec le. Là, voilà. Et voilà. Et on fait les trous. Facile d'appuyer comme ça. Voilà. Voilà. Bon. Allons-y gaiement. Deux tourillons, mon bois, et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est bon, c'est des échantillons, hein. C'est pas un bois que je voulais faire quoi que ce soit, hein. Mais bon, si vous êtes assez précis, voilà ce que ça peut donner. Ok les amis, bon ben à plus tard, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu bien entendu, et puis cliquez sur la cloche pour recevoir les vidéos à mesure qu'elles sortent, pour pas en rater une ou deux, même ou trois, parce qu'on me dit qu'il y en a, il y a des gens qui me disent qu'ils ratent des vidéos. Bon ok, allez à plus, bye bye.